renverse et change l'histoire. Plane sur ma vie, immobile, comme un aigle sur le Nil. Un jour de chaleur, tu as planté ta force et ton cœur sur ma terre d'argile, trop fragile, comme un drapeau sur une île. Les yeux fermés, je t'aime à l'avance. Quand tu es loin, je t'écoute à distance. Je suis toujours bras. Et j'ai vu un jour, pour toujours, sous influence d'amour. Ascendance heureuse, pour toi je nage en eau dangereuse. Même quand tu as tort, je t'aime encore, comme un volcan dans mon corps. Les yeux fermés, je t'aime à l'avance. Quand tu es loin, je t'écoute à distance. Bon Noël, Sylvie. Eh bien, joyeux Noël à tous. À Julien d'abord. Et puis à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Merci. Tu as passé les fêtes en famille hier soir? Absolument, oui, oui. Disons, t'as des fêtes. C'est une fête de famille. Très bien. Donc, Julien voulait savoir si c'était bien l'Amérique. L'Amérique, c'est un grand pays, bien sûr, et c'est surtout un pays pour les enfants. L'enfant est roi en Amérique, il y a des parcs d'attractions merveilleux, et puis beaucoup de choses pour les enfants. Tu viendras un jour? Oui. Disneyland, le pays de Mickey, c'est formidable, c'est formidable. Même pour les grands, d'ailleurs. Sylvie, il y a quelques semaines, c'était David qui était à ta place. Je tutoie parce que c'est le privilège de tous les artistes, hein, absolument, de pouvoir se tutoyer. Bien sûr que je tutoie mes confrères artistes et collègues. Nous avons les mêmes sensibilités. On s'est rencontrés souvent avec Sylvie, je me souviens d'une télé avec toi à Bruxelles. Absolument, oui, oui. Voilà. Alors, à ta place, il y avait ton fils, David Hallyday, il y a quelques semaines. Quel regard portes-tu sur sa toute jeune carrière? Bien, premièrement, c'est un regard d'émotion, bien sûr, et puis j'ai l'impression de tout recommencer. C'est merveilleux. Et tout oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir des enfants et puis de les voir grandir, de les voir commencer une carrière, quelle qu'elle soit. C'est toujours très émouvant. Tu vis plus à Paris ou plus à Los Angeles? Oh, ça dépend des années, ça dépend des mois. Je vis très souvent ici. En tout cas, tu passes les fêtes de fin d'année ici à Paris, j'ai l'impression. Hein. Les fêtes de Noël, et puis je fais des allers-retours. Ce n'est pas à porte à côté, mais on s'en arrange. Sylvie, je me suis laissé dire que tu avais réservé, en tout cas tes agents, ont réservé le Grand Rex pour l'automne 1988, ça va être ça? Oui, j'ai envie de revenir à des salles un petit peu plus petites, si on peut dire, parce que j'ai fait toutes ces grandes salles et j'ai envie de me retrouver un peu plus près du public, dans des salles un petit peu plus intimes. Très bien. Et le Grand Rex, c'est une belle salle, c'est une salle qui est un peu magique, avec les étoiles, les nuages, tout ça, c'est très joli. Est-ce que tu vas souvent au concert? Est-ce que tu vas voir les artistes, la nouvelle génération par exemple? Comment es-tu? Eh bien, je les vois à la télévision. J'ai pas tellement le temps d'aller au concert ou au spectacle, malheureusement, parce que je travaille aussi pas mal. Ouais. Mais dès que j'en ai l'occasion, bien sûr, je vais voir. Est-ce que tu étais voir moi, Johnny? Ah, bah, bien sûr, oui. Mois, oui. C'était magnifique, oui. Ouais, c'était très beau. Oui. Tu l'as suivi en tournée?
Non. Il est entendu pendant très longtemps, alors. C'est vrai. Eh bien, tu as signé un nouveau disque avec Moussou Mara. Je n'ai rien signé du tout. Moi, je ne fais qu'interpréter la chanson. Oui, c'est ça. Moussou Mara est un garçon de talent qui a écrit de très belles mélodies. C'est un Italien. On sait tous que les Italiens font de très jolies mélodies. T'aimes bien les Italiens, hein? Oui. Tony Scotti. J'ai lu un très beau papier dans Paris Match il y a quelques semaines où tu disais que la gloire, c'était le deuil éclatant du bonheur. Une phrase de Maurice Barrès. C'est une très jolie définition. Il y a maintenant, tout à l'heure, en répétition, je t'en ai parlé. Tu m'as dit oui, tu peux le dire parce que c'est le 25 décembre. Ce jour-là, tout est permis. Je viens de fêter mes 25 ans de carrière. Permets-moi de te dire que tu ne les fais pas. Ah, merci beaucoup. J'ai commencé jeune, il faut dire, si c'est un avantage. Sylvie, nous allons accueillir maintenant. Tu avais un truc à demander encore à Sylvie. Julien, profite, elle est là devant toi. Non. Julien est muet ce soir. Oui, non, mais tu sais qu'il est très. C'est quand même quelque chose d'avoir Sylvie Vartan devant soi. Hein. Puis il a quand même piqué un de tes disques. Il est très mignon. Bon, il a des très beaux yeux verts. En tout cas, tu nous laisses ce soir. Hein. Voilà. Je ne sais pas. L'artiste que nous accueillons, maintenant, tu le connais très bien, parce qu'il te doit une partie de sa carrière. Ah. Hein? Il a été ton secrétaire. Oui, mon partenaire, ma nounou. J'ai beaucoup rigolé. Nous avons beaucoup rigolé ensemble. Il a brûlé quelques-unes de mes robes, mais enfin, ça, on ne le dira pas. Il a beaucoup de talent. Il me fait toujours beaucoup rire. Et je pense que vous allez applaudir comme nous ce soir. C'est qui? C'est qui? Carlo! Carlo!